Azul, bien sûr. Et Good Evening. Pourquoi j'utilise plusieurs langues? Parce que nous venons tous d'un pays où nous parlons plusieurs langues. On a cette facilité à parler le kabyle, le nord, le le français, bien sûr, que nous allons utiliser dans notre communication. L'anglais aussi, pour la plupart, surtout ici au Canada. Tout simplement parce que nous venons d'un pays qui a été maintes fois envahi. Et naturellement, l'envahisseur, à part tuer, spolier les terres, massacrer, bon, il nous communique aussi sa culture. Beaucoup d'envahisseurs, et ça s'est sédimenté en nous. Et donc, merci à l'association Sadria. Et je ne savais pas que c'était en référence à Khalil Sadr. Et c'est une très belle chose qu'on entretienne la mémoire d'un grand homme qui a tant formé, qui a tant donné et qui est représentatif absolument de sa ville et de son ouverture parce qu'il a chanté. C'est un grand maître de l'andalou, mais aussi il a chanté Skbelit, il a composé beaucoup de chansons, notamment Bliazit avec Abdelrajeb Rachid Al-Hamar. Et il a permis aussi, et j'en suis témoin, au sein même de l'école de musique de l'époque, à lancer de la musique occidentale. C'est là-bas que les rythmes se sont développés, que Jamel Allem lui a fait faux bond de l'Andalou pour passer, pour chanter Ibiza et Pervier. Il a donné la possibilité à Rafiq Ouali, qui était pianiste dans l'orchestre, d'aller au synthé. Et quand je suis vraiment ému, je vais retrouver le cours de mon élocution, je suis ému parce que je suis en famille. Et il y a des amis de plus de 50 ans qui sont là, que je n'ai pas vu depuis 50 ans. Je pense notamment à ma sœur, Alazira Bessar, qui est là, et avec Jamel Adam, on a foulé le théâtre de Bougie, on l'avait fait revivre à l'époque. Comprenez mon émotion. Il y a eu des pionniers, des pionnières, et j'ai l'ami de ma mère à côté, Madame Gmali Tsutsu Lajouz, une pionnière dans le sport. Il y a des personnes qui vous mettent tous très cher. Donc, ce que je vous propose, je ne vais pas faire une conférence. Je ne suis pas devant mes étudiants à comparer l'histoire des Aztèques et des Mayas, la 8e dynastie des Ming, parce que je fais dans l'histoire à comparer. Je vais vous proposer une chose, c'est d'insuffler un esprit de théâtre. Pas du théâtre classique, mais le théâtre bien de chez nous, c'est-à-dire le Gouel. Imaginez que je sois le conteur au milieu du souk, le souk de l'Khmis, le marché Philippe, et donc là, je suis entouré, je ferme les yeux un petit peu pour me mettre dans l'atmosphère. Et c'est un pèlerinage. D'abord, pour entrer à Bougie, on arrive par les quatre chemins. Et il y a fort longtemps, qu'est-ce que faisaient les pèlerins en venant à Gaïd? Ils s'arrêtaient à Belselem. Ils se déchaussaient. Belselem, ils rentraient dans la cité. Hamadit, pieds nus. Parce que c'était une cité sacrée. Et de là, ils allaient visiter les mausolées. Paraît-il qu'il y a eu Tsaouet Saïnouali. On les a comptés, on a dépassé les 99. Parce qu'il y a des Walis, des moyens, des grands, des petits, des érudits, des fantasques, il y a eu de tout. Et donc, on dit Tsaouet Saïnouali, et tout à l'heure, mon ami disait Imna Gouraya, je vais. Avec Yama, à un moment donné, on a eu une polémique sur Imna Gouraya. Pourquoi? Moi, j'ai une démarche d'historien. Et Gol, c'est le nom de Gaïs qui a été donné par les Vandales.
Aya, Gor Aya signifie le fort sur la montagne. Il y en a plusieurs. Du côté de Tipaza, il y a Goraya. Sur la côte espagnole, il y a Goraya. Ce n'est pas pour casser un mythe, mais ça reste un mythe. C'est-à-dire, nous n'avons pas trouvé de sépulture, nous n'avons pas d'histoire écrite. Goraya, fille de qui? Certains ont inventé toute une légende. On lit ça sur Facebook. Bah, Facebook, maintenant, on raconte tout et n'importe quoi. Et j'ai aimé, quand j'ai parlé de ça, la réponse de Yama Tereke, qui disait à peu près c'est un mythe, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, c'est un symbole. Et d'ailleurs, plus tard, je lui ai dit, Yama, écris s'il te plaît, écris un livre. Et il a écrit ce livre et il a appelé de l'Alasté, qui est la sainte patronne de Tlemcen, sa ville matricienne, d'où il est venu après, c'est devenu Bougiote, hein, et Aïma Goraya. Mais contrairement à la sépulture de Tinhinana à Balessa, nous n'avons pas trouvé d'ossements, ni de bijoux, ni d'inscriptions. Ibn Khaldoun n'en a pas parlé, les Tensines ne l'ont jamais évoqué, rien, rien, si ce n'est que ça a passé dans les mémoires. Et il y a une anecdote, je reviendrai à l'histoire de Bougie, ne vous en faites pas. Et il y a une anecdote, c'est que dans les années 1930 et quelques, Bembadis et Jumeirah Ulama sont venus à Béjaïa et il a tenu une réunion en place de Sidi Soufi. Et Bembadis et Jumeirah Ulama, notamment Cheikh Foudil Ouarzilani qui était de la région à Touarzilan et bien d'autres, expliquaient aux Boujout que le Roubat, Sidi Issa, Sidi Yahya, Ouboudiyat, Shirk, c'est-à-dire religieusement, et on ne devait pas aller prier là-bas, faire des tas de choses. Et surtout, alors vous avez tous les bougiots, sur la place de Sidi Soufi, là qui écoutait Cheikh Bembadis, Cheikh Boudjazain, Mouslimouno, Ilal Horouen, Tassi, vous connaissez l'Italie. Et à un moment donné, il leur explique qu'Ima Goraya n'a jamais existé. Que c'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bougiots? Tous. Ils se sont levés comme un seul homme. Ils lui ont tourné le dos et ils sont partis. Ils l'ont laissé tout seul. On ne touche pas à Ima Goraya. Et je ne veux pas toucher à Ima Goraya. Ima Goraya existe. Ok, d'accord. Et un glanais.